Salut. L'heure est grave. Parce que ça fait putain de plus de 12 heures que j'attends de faire cette vidéo. Je vous ai hier soir aux alentours de 20h, j'adore donner des détails inutiles, fait un tweet qui vous demandait de faire des photomontages marrants avec les photos ci-dessous. Donc il y a, on montre du doigt, on fait le Super Saiyan, on tient quelque chose, on sait pas quoi. Elle est humiliante cette photo, même si tu fais pas de montage, elle est terrible. Et une où on engueule quelqu'un. Et dans mon deuxième tweet, c'était ces photos-là. Voilà une belle indication, un doigt. Un ninja, un vrai ninja, et à la recherche de quelque chose. J'ai lutté littéralement pour ne pas aller sur Twitter et regarder mes mentions. J'ai galéré, je mourais d'envie de voir ces photomontages que vous avez fait. Mesdames et messieurs, c'est parti pour observer vos photomontages. Oh mec, j'attends ça depuis... Oh là, Farod qui s'est déchaîné, tes photos m'ont inspiré. Ce matin chez Squeezie, j'ai terminé mes vidéos pour lundi, mardi, mercredi et Oh non putain, non, j'ai pas fini un montage. Et... Psst, Clément. Oui, Clément qui s'est transformé en Farod d'ailleurs. Attends mais t'as fait une BD. C'est déchaîné, il a fait une BD le mec. Fini mon montage avant demain, je compte sur toi. Je peux pas, désolé vieux. D'où tu refuses? Ok pardon. Mais c'est quoi ça? Ça? Bah end spin. Mais mec c'est génial. Excusez-moi pardon, j'étais obligé de crier. Mais mec il s'est tellement fait chier. Et hop un stagiaire de moi. Il a utilisé cette photo à tellement juste titre. En espérant que le prochain ait un meilleur prénom. The end. Mec, on a commencé par le meilleur. C'est sûr qu'il y a pas mieux que ça. Farod mec tu t'es... Franchement Farod. Voilà, c'est mérité. Vlog chez Dorcel, Squeezie découvre une nouvelle passion. Il y a juste un problème de proportion et de détourage sur cette photo. Mais sinon, c'était pas... L'idée était là. Et bah, et Dorcel qui répond, ah ah ah, non mais attendez, ça suffit. L'histoire n'est pas celle que vous croyez. Oh là là, on en est là, j'aime bien. Tire sur mon doigt. Putain, vous êtes pas mes abonnés pour rien, je vous aime. Vive le prout. C'est pas mal ça, l'attaque des titans, je me suis transformé en titan colossal. Putain, vous êtes fait chier. J'aime beaucoup. Bienvenue dans le nouveau Meporg World of Squeezie. Choisissez votre classe. Inspecteur, guerrier Saiyan, épéiste, wesh, ninja. Très mignon, je choisirai personnellement le ninja. Cette info n'intéresse personne, mais souvenez-vous au début de la vidéo ce qu'on a dit. J'adore donner des détails inutiles. Voilà. J'ai passé toute la soirée, j'ai intitulé mon œuvre The Floor is Placement de Produit. Putain, mais y'en a qui sont tellement doués. Vous êtes trop forts. Avec les vieilles têtes déformées de McFly et Carlito derrière. Bravo. Vraiment puissant. C'est fort. Qui sont ces dames qui font des photos comme ça? Ça n'a pas de sens. Oh la bâtarde. Merci pour toutes ces... Pas toi. Superbe vidéo, on vous aime. Est-ce qu'il y a plusieurs jours la vidéo pour me faire descendre sur Terre? C'est pas celle-là. Là, c'est fini, c'est bon, je vais bien. En référence au logo de Nike, c'est très très beau. Vous avez énormément d'imagination, c'est vraiment beau. Simple, efficace, send nude. Pas mal. Et oubliez pas le follow, faites comme Squeezie, merci. Oh le mec fait sa pub en plus de ça. Le mec fait sa pub. Oh les retrouvailles, oh. Ça me brise le cœur, ce que tu viens de faire. Mais c'est très bien fait. Marc Dorcel qui nous... tweet une photo de cul, je suis... Avec. Mais vous n'avez pas honte? Mais c'est des zigotos chez Marc Dorcel, mec. Attends. Les bâtards. Mais n'en profitez pas pour m'humilier. Alors après je peux me permettre, le respect était dans cette direction plutôt que dans... Mais bon après bon. Oh Squeezie, 10 minutes et 1 seconde, c'est magnifique. Oh putain, 10 minutes et 1 seconde. Ah, en référence. En référence au fait que quand ta vidéo fait 10 minutes, tu peux mettre 2 pubs au lieu d'une, c'est ça? Putain mais c'est malin. J'avais même pas vu la référence. Parce que dans le vrai film, le mec reste pas coincé 10 minutes entre deux cailloux. Sinon c'est nul. Et en plus ça sortirait pas au cinéma. Bien sûr, avec GCVD, hein. Pas mal. La nouvelle arme ultime de Kim Jong-un, c'est très bien trouvé. Attends, mais là, y'a plus d'effort, quoi. Y'a plus aucun effort, là, dans ce photomontage. Regarde ça, y'a un Kima. C'est fou. Oh, c'est beau. Oh, celui-ci est très, très beau. Squeezie et sa femme. Mec, franchement, c'est pas sympa de mettre la vie privée des gens en avant comme ça. C'est vraiment pas sympa. Quand Squeezie voit une fille trop belle, réaction bizarre. Alors, Marion Chedevergne, tu as 8 ans et demi. C'est sûr, c'est obligatoire. Lol, désolé, il y a encore le fond vert. Mais mec, mais tu peux pas, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ton montage et dire désolé, il y a encore le fond vert, ça ne marche pas. Est-ce que t'as vu Avengers? Est-ce que tu as vu un fond vert avec marqué désolé, il y a encore le fond vert, on appelle... Non. On a un nouveau cloud pour le prochain Final Fantasy. Eh ben mec, je vais en parler à Square Enix et il y a moyen qu'il me colle un procès. Vous n'auriez pas vu l'inspiration parce que j'en manque vraiment là. Oh putain. Oh, Squeezie rencontre 3D Squeezie. What the fuck mec? Tu t'es fait chier à modéliser un peu mon décor en 3D. Bon, pas les figurines hein, fallait pas abuser quand même. Mais mec c'est fou. Oh c'est beau. Il rencontre Jackie Chan, ça tourne mal. C'est beau, très très belle affiche. Attends, t'as carrément reconstitué mon bras qui à la base est coupé quoi. C'est fou. Putain, allez voir ce film, c'est énorme. C'est énorme.
Mec, ça me fait rire. C'est grave. Je sais pas ce qui est le pire, la qualité du montage ou le fait que ça m'a fait rire. Eh bien les amis, c'est la fin de cette vidéo où je regarde vos photos montage. Eh ben merci déjà d'avoir pris le temps de les faire, c'est hyper sympa. N'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu. Il y a eu des trucs, il y a eu des perles. Il y a eu Farod. Il y a eu celle-ci aussi qui m'a fait vomir. Que vous avez fait un truc de merde ou un truc bien. En vrai, c'est cool, vous avez pris le temps de faire quelque chose et c'est très mignon. Ça valait le coup d'attendre une nuit pour regarder tout ça en vidéo. J'ai passé un bon moment. À la prochaine vidéo, je vous dis au revoir, attention.